peu près, la salle n'est pas à jour forcément, on est à peu près 180 maintenant. On a des bureaux basés aux États-Unis, en France, en Allemagne, à Kiev, en Pologne, en Angleterre. On a une solution d'open source. On a à peu près plus de 100 clients dans cette entreprise, une très grosse communauté. On est avant tout une solution CRM, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle ce soir, on a une solution d'e-commerce B2B, et vraiment spécialisée dans le B2B. Particularité, pourquoi B2B versus B2B, versus B2C, ben c'est que notre créateur, notre patron, avait déjà une solution B2C dans le passé, qu'il a créée, qui marchait bien, qu'il a revendue, qui s'appelait Magento, et qu'il a créé Oro derrière, puisque pour lui, B2C, il a la petite blague qu'il aime bien faire, c'est B2C, c'est plus de la peine, Amazon a gagné. Mais c'est vrai, pour une anecdote très personnelle, j'ai sur un dossier que je travaillais dans le passé, donc avant que je sois chez Oro, j'ai une cliente qui me disait, on est en train de faire un replatforming global de toutes leurs solutions, elle me disait, il faut faire des flux qui sortent pour Amazon. Je me dis, mais pourquoi faire des flux qui sortent vers Amazon alors que vous êtes en train de refaire tous les sites mondiaux avec une marque connue et reconnue? Elle me dit, voilà, nous à New York, Amazon livre en une heure. Moi, je m'appelle l'Occitane, mais Amazon livre en une heure, mes clients vont chercher sur Amazon, pas chez moi. C'est pour ça que je grandis Amazon. Je peux vous dire tout ce que je veux sur la solution, mais voilà, le petit schéma ici vous montre en termes de fonctionnalité, on est très riche. Pourquoi très riche? Parce que le B2B, c'est complètement différent du B2C. Et petite slide pour en résumer, parce que je n'ai que 10 minutes pour en parler, donc je vais essayer de faire rapide. Contrairement au B2C, dans le B2B, vous avez des catalogues qui peuvent être complètement différents par client. Et donc le fait que chaque client n'ait pas la visibilité sur le même catalogue, c'est un des points qui est complètement différent du B2C. Le fait que dans une entreprise, j'oublie le point, je reviens dessus, dans une entreprise, les clients, ben, vous avez plusieurs business units, vous avez plusieurs localisations, vous avez des workflow validations, vous avez des droits. Vous pourriez avoir un client qui a un compte national et des comptes par région. Et toute cette hiérarchie qui existe au sein des clients, il faut pouvoir la remettre dans la solution parce qu'il y a des workflows, il y a des validations budgétaires, il y a tout ce genre de choses qui soient présentes au sein de la solution qui n'existent pas dans le B2C. Les prix, les gestions de prix en fait de clients, de groupes. Demain, vous connectez toutes les personnes qui sont ici et se connectent sur un même site en B2C, tous verront le même prix. Or, dans le B2B, le contrat commercial commence généralement offline. Il n'est pas, vous arrivez sur un site, vous n'avez pas un compte, c'est généralement offline qui se fait. Les contrats commerciaux se négocient avant. Et donc chaque client va avoir son prix différent sur un article en fonction du contrat cadre, du contrat qu'il aura négocié. Ça, il faut pouvoir le gérer. C'est-à-dire que vous n'avez pas une liste de prix au sein de la solution, vous en avez autant potentiellement que de clients. Ce qui fait que la complexité, en fait, et c'est quand les clients me disent « En termes de volumétrie, vous pouvez prendre quoi comme un nombre d'articles, tout ça ?» Ça n'a pas de sens. Dans le B2B, c'est vraiment une tripartite qui compte. C'est le nombre d'articles différents, le nombre de clients et le nombre de listes de prix. C'est cette multiplicité-là qui va faire que la solution pourra les tenir ou pas. Les processus. Alors ça, j'ai une blague là-dessus. Kevin est mort de rire parce qu'à chaque fois, je la fais chez le client. Tous les clients ont un point commun. Chez nous, c'est compliqué. Tous les clients le disent systématiquement, chez nous, c'est compliqué. Et au fait, aujourd'hui, la problématique dans le B2B, c'est de s'adapter non pas à la solution, mais de s'adapter au process et au processus au sein de l'entreprise. Au sein d'Euro, ce qui a été fait pour gérer ça, c'est assez simple, c'est qu'on a mis un gestionnaire de processus qui est modifiable et customisable à volonté, qui vous permet d'avoir en place un schéma visuel de votre process, hein, si oui, je vais là, sinon, que vous pouvez voir facilement, et donc faire tous vos processus en fonction de vos besoins dessus. Les commandes rapides, ça c'est une vraie différence aussi entre le B2B et le B2C, c'est que le B2C peut avoir des commandes, peut avoir beaucoup de commandes, avec généralement, sauf dans l'alimentaire, peu d'articles dans la commande. Le B2B, vous avez beaucoup moins de commandes, mais elle peut contenir 100, 200, 300, 400 lignes avec des quantités par ligne. Donc, généralement, les clients n'ont pas envie d'aller chercher le premier article, deuxième article, troisième article. Vous imaginez ce genre de choses avec une centaine de lignes. Et donc, ils chargent un CSV, un fichier texte. Ici, dans notre cas, en plus, nous, on prend les Excel avec toutes leurs commandes déjà préfaites. Multipanier et devis.
Dans le B2C, on a son panier, on a des paniers perdus, on a tout ce genre de choses. Vous prenez dans le B2B, l'artisan qui commence son panier le lundi sur son premier chantier, il ne va pas le finir parce que son chantier va vivre. Il va faire le mardi son deuxième panier pour son deuxième chantier. Et il va faire autant de paniers qu'il a besoin et qu'il ne va pas fermer au forcément, qu'il va les faire au fur et à mesure. Et la même chose, il est 8h du soir, il rentre et il a besoin d'un prix sur quelque chose parce que bon voilà, il a son prix négocié mais il en a besoin de beaucoup plus. Et bien automatiquement, il peut faire une demande de devis avec voilà, le prix prévu est de, je veux dire une bêtise, il est de 10€ pour une pièce. Là, j'en ai besoin de 50 pièces. J'ai un prix négocié pour une pièce, pour 10 pièces, pour 20 pièces, 50, je n'ai pas de prix négocié. Voilà ce que je te propose comme prix, pour quelle raison ? Le commercial, l'ADV, tout ce soit ce qui est prévu, reçoit ça, le valide ou pas, ou fait une contre-proposition. La gestion de devis, c'est simple, mais là en plus, tout est tracé et suivi, ce qui vous permet de revenir facilement dessus pour tous, aussi bien pour le client que pour le service commercial. Multi-organisation, multi-marque, interstitial et site. Dans le B2B, on voit généralement en fait qu'on a des holdings qui se sont construites avec des rachats de plusieurs sociétés. Et donc vous avez plusieurs marques, plusieurs organisations et qu'il faut pouvoir gérer sur la même plateforme, pas sur le même site, mais sur la même plateforme, avec des gestions, et là on arrive juste au point derrière, avec des gestions de droits très précises. La marque 1 ne doit pas avoir les données de la marque 2, aussi bien en termes de clients que de produits, que de prix. Donc il y a une vraie volonté dans le B2B de pouvoir gérer des multimarques, des multi-organisations en tant que France internationale, avec des contrôles d'accès et des données très spécifiques séparées. On a un client qui a voulu faire quelque chose. Alors généralement, quand on fait plusieurs sites, on déploie un par un, hein, on essaye de faire des déploiements sains. On a un client qui a voulu déployer ses 70 magasins d'un coup. 70 sites web différents, autonomes. C'est compliqué, mais ça se fait très bien au sein de la solution. Moteur de dashboard. Alors pourquoi je parle des moteurs de dashboard? Vous allez me dire, oui, en back-office, on a besoin de moteur de dashboard B2B ou B2C, il n'y a pas de différence là-dessus. Sauf que si vous reprenez les clients de vos clients, en termes de hiérarchie d'organisation, ils ont besoin de savoir chaque business unit ce qu'elle a fait, combien elle a utilisé, combien il lui reste, quel type d'article elle commande régulièrement, quel type d'article elle ne commande pas. Et donc, c'est-à-dire qu'on a des dashboards et des rapports qui ne sont pas faits non pour le back-office, mais aussi pour les clients, pour les administrateurs côté client. Et une des particularités au sein de la solution, je vous disais tout à l'heure, on a un CRM et un e-commerce. Et on considère chez nous, et c'est pour ça que quand vous prenez la solution e-commerce B2B, vous avez intégré le CRM avec, puis on considère que le CRM est une partie du back-office d'Euro. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir plus facilement segmenté, vous avez toute votre segmentation de groupe, de typologie, toutes vos actions commerciales peuvent être gérées dans le CRM. Si vous ne voulez pas utiliser le CRM, vous pouvez prendre votre propre CRM, hein, on parlait tout à l'heure d'un autre CRM concurrent. Mais voilà, il n'y a aucun problème, tout est interconnectable en API avec l'ensemble des solutions du marché. Nous avons des connecteurs avec certaines solutions, on va en parler juste après, mais par exemple avec Akaineo, on a un connecteur natif qui nous permet justement d'aller beaucoup plus vite en termes de transfert de données. J'ai voulu faire très très vite parce que voilà, ce même document, je le fais en une heure généralement, mais avec des exemples un peu plus précis. Le but, c'est de vous montrer rapidement les grosses différences qu'il y a entre le B2B et le B2C. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse en discuter tranquillement après autour d'un verre, si vous avez besoin.